Bonjour tout le monde, bienvenue dans le mode Giants Unleashed. Et mon plan à la base était de m'arrêter la carte biomécanique, mais avec les changements du mode de jeu, les changements de l'événement, peut-être que la carte Horde n'est pas si inaccessible que ça en tout cas. Je me sens plutôt motivé. Donc, dans la vidéo précédente, on a déjà parlé des changements que ce mode de jeu a subi, mais on va en reparler ici. Il y a un grand changement qui va tout bouleverser en fait, c'est l'arrêt des récompenses par classement. En particulier, parce qu'effectivement ça va supprimer les calculs des classements entre chaque géant, et la recherche de géants également est supprimée, c'est-à-dire que maintenant, les géants débarquent, il n'y a plus de chrono pour eux. Le géant reste jusqu'à la fin de l'événement ou jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Une fois qu'un géant est vaincu, le suivant arrive tout de suite derrière, et en fonction du nombre de géants qu'on arrive à vaincre, on a des récompenses par géant vaincu. Et pour le dernier, bien sûr, on a quand même quelques petites récompenses, mais moins bonnes, si jamais le dernier, effectivement, a réussi à s'échapper. Ce qui va souvent être le cas, en fait, parce que, comme je l'ai dit, dès qu'un géant est vaincu, un autre arrive tout de suite derrière. Et donc, ça veut dire que Giants Unleashed est un événement 100% solo, désormais. Collaboratif, là aussi, quand même. Enfin, c'est pas 100% solo, vu qu'on attaque tous le géant, mais... Ah oui, donc quelque part, finalement, il y a quand même un aspect communautaire, en quelque sorte collaboratif. C'était un peu collaboratif et compétitif, mais là, ça va être collaboratif et éventuellement très solo. Car évidemment, déjà de base, en fait, les récompenses les plus intéressantes étaient les récompenses d'étape, donc avec les dégâts qu'on inflige personnellement à tous les géants au total. Et donc, il sera plus simple désormais de marquer les points qu'on a envie de marquer pour atteindre nos récompenses, parce qu'il n'y aura plus de temps mort dans l'événement, donc on pourra jouer à n'importe quel moment, à condition bien sûr d'avoir les accès nécessaires. Donc fini les moments où on a envie de jouer, où on a le temps de jouer, où finalement on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a plus de géants, parce qu'il y en aura toujours. Donc là où vous chercherez un combat, il y en aura toujours un dans Giants Unleashed, et ça c'est formidable. Et donc comme j'ai pu le dire, effectivement, depuis que j'ai commencé l'événement, je marque quand même vraiment beaucoup de points à la fin de chaque partie, donc je ne sais pas si les dégâts sont calculés différemment ou si effectivement avec l'amélioration générale de mes cartes, je fais naturellement plus de dégâts. Je pense qu'il y a au moins ça. Mais effectivement, vu le rythme que j'ai, bah, j'ai déjà Ultimate Warrior et ça fait même pas 24 heures que l'événement a commencé, donc il reste plus de... 2 jours et demi, un peu moins de 3 jours du coup, j'imagine. Mais ouais, quasiment 3 jours finalement. Il reste quasiment 3 jours. Et j'ai déjà la carte biomécanique, donc... La route vers la carte Horde, qui est celle des J-Styles... A l'air plutôt attirante, plutôt attrayante. Et surtout, la destination n'a pas l'air si loin que ça. Là, il me manque quand même, oui, à peu près 28 millions de points. Mais, avec quasiment 20 millions de points en moins de 24 heures... Ah non, il se termine dans 3 jours et 1 heure. Qu'est-ce que c'est que ce chrono, là? C'est bizarre. Attendez, l'événement dure pas. C'est bizarre, ça. Donc ça se finit même pas vers l'après-midi, ça. Enfin, ça se finit pas à 3 heures de l'après-midi, cet événement-là. Donc le lundi, j'aurai peut-être le temps de marquer des points, si jamais j'en ai besoin. Bah c'est bien, ça. C'est très très bien. Voilà qui est excellent. Donc, on va aller chercher probablement AJ Styles dans cette vidéo. Parce qu'en plus, j'en parlais, hein, mais vraiment, Giants Unleashed, c'est mon événement préféré. C'est vraiment l'événement que je peux jouer pendant plusieurs heures d'affilée sans trop me lasser. Parce que j'aime beaucoup l'aspect chance, l'aspect prise de risque. Est-ce qu'on se sent chanceux? Est-ce qu'on mise tout sur une flèche? Enfin bref, j'arrête pas de le répéter à chaque événement de Giants Unleashed, mais ils sont assez espacés pour qu'on le fasse. Voilà. En plus, j'ai, depuis le dernier événement, donc qui était War Games, j'ai vraiment très peu joué, et donc c'est vraiment depuis 2-3 jours là que j'ai vraiment commencé à rejouer un petit peu, notamment avec l'arrivée des événements fusion, et notamment les fusions qui nous permettent d'avoir à la fois des cartes extrêmes, mais aussi peut-être, avec un peu de chance, des cartes des fêtes de fin d'année. Donc effectivement, c'était assez intéressant de reprendre à ce moment-là. Donc, nous avons
En tout cas, j'ai ma 8ème superstar biomécanique. Techniquement, c'est la 9ème carte que j'obtiens, parce qu'évidemment, il y en a deux qui ont été combinées. Donc, on verrouille, on a verrouillé Ultimate Warrior, et maintenant, ce qui serait pas mal, ce serait effectivement de foncer vers la carte Horde d'AJ Styles. On est largement en avance, moins de 2 millions de points marqués pour obtenir la carte Horde d'AJ Styles, donc ça ne fait aucun doute, cette carte Horde va tomber dans ma poche. Enfin, pas vraiment dans mon catalogue virtuel, mais bref. En plus, j'ai quelques bonus pour m'aider peut-être à y parvenir un peu plus vite, donc prise de risque maximale en ce qui concerne les flèches bleues et les potentielles correspondance x4, donc tout ce qui est jaune là, tout ce qui est flèche jaune, ça va aller au combat tout de suite. On va se concentrer sur la puissance et la robustesse, quoique même en faisant ça là, c'est pas trop mal au niveau des points. Allez, on y croit pour la robustesse. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite si jamais on a de la chance, et malheureusement on n'en a pas, mais on a quand même le bonus qui amortit un petit peu le choc en termes de zéro correspondance. Et ça reste un score plutôt correct hein, pour avoir totalement raté la dernière manche. Donc on va passer la fin de cet événement de Giants Unleashed ensemble, et un jour à peu près avant la fin de celui-ci, je voulais vraiment pas rater la carte. Disons que quand j'ai vu que c'était vraiment bien parti, j'ai carburé. Et bon, après, l'idéal, c'est de répartir son temps de jeu pour pas non plus passer tout son week-end à faire ça. Mais bon, tant que je jouais, tant que je gagnais, hein, je continuais, bien sûr. Tant que ça avançait bien. Car je me suis dit, évidemment, plus j'avance vite, plus vite je serai débarrassé. Donc là, est-ce qu'on tente tout pour la vitesse? Allez, on peut tout tenter pour... Non, on va garder la puissance. Gardons la puissance et la vitesse. Gardons les flèches bleues. Donc la vitesse. Oh, la vitesse, c'est parfait. Puis on a une petite robustesse qui est venue se glisser là. Ça, c'est très bien d'avoir une carte dont on n'a plus besoin. Donc on peut la jeter sans problème. Et du coup, on aura des cartes qui nous seront forcément utiles pour la suite. Les puissances. Dommage. Et sérieusement... Oh ! Encore ! Vous imaginez pas le nombre de fois où je me suis retrouvé avec 4 flèches dans le même sens. En tout cas, 4 cartes avec la même flèche. Et où cette flèche n'est jamais apparue sur le géant. C'est vraiment dégoûtant quand ça arrive. C'est vraiment horrible. Autre cas de figure qui est horrible, c'est quand on a deux flèches identiques parmi les 5 qu'on a dans la première manche. On balance 3 autres flèches. En gros, je mise tout sur une seule flèche pendant toute la partie. J'ai 2 flèches identiques et les 3 autres qui sont en un exemplaire pour le premier tirage. C'est l'une des flèches des 3 qui sont toutes seules, qui sort sur le géant. Du coup, je balance quand même les 3 flèches qui ne m'intéressent pas, les 3 flèches qui sont toutes seules. J'ai à nouveau un exemplaire de chacune des 3 flèches au tirage d'après. Et les 2 flèches qui sont identiques ne sont toujours pas utilisées. Du coup, je rebalance 3 flèches différentes, mais il n'y en a qu'une seule qui correspond au géant. Et troisième manche, ça le fait encore. C'est vraiment horrible comme sensation de tout miser pour avoir un seul type de flèche. De quoi je parle là? Exactement ce qui va se passer, vitesse, puissance et charisme. Il n'y a que la vitesse qui sert. Alors si on a un peu de chance, on a la robustesse qui sort derrière. C'est possible, bon, voilà. Bon, là c'est même encore pire. On n'a pas du tout de charisme. Du coup, je pourrais balancer... On va jouer la sécurité... Non, pour vous montrer. Je vais balancer que la flèche qui ne m'intéresse pas, comme ça on est quand même couvert pour la suite. Et voilà, une petite correspondance x3, ça fait quand même plaisir. Mais c'est frustrant de se dire, j'ai 2 flèches, en tout cas j'ai une flèche présente 2 fois, de tout faire pour en avoir 3, voire même 4, et d'en avoir que 2 pendant tout le long de la partie, que ce soit la dernière flèche qui sorte ou pas d'ailleurs. Ça aussi, ça m'est beaucoup arrivé. Mais vraiment, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir 4 fois la même flèche et de ne pas l'avoir sur le géant. C'est terrible. Bon, on peut se permettre de reprendre plein de risques.
Le tirage est pas mauvais, on va tout miser sur la puissance. Vu qu'on en a déjà deux. Voilà. Après, même si on en a une troisième, ça suffit, x3 ça me suffit. Excellent ça. Donc on s'est débarrassé de 6 flèches qui n'étaient pas des flèches de robustesse. De puissance, je veux dire, pardon, de puissance. Et voyez, j'ai tout fait, j'ai balancé à chaque fois 3 cartes pour avoir peut-être une autre flèche à gauche, une autre carte avec la puissance, mais non. Ça, c'est terrible. Alors que là, un petit x3, un petit x4, ce serait génial. Ne serait-ce qu'un petit x3, ça ferait déjà beaucoup de points. Quel dommage. Hey, mais attendez. Plus qu'un million de points maintenant. Moins d'un million de points marqués, c'est bon pour AJ Styles. Bon, l'obtention de la carte ne fait plus aucun doute. Donc quand même, oui, j'ai pas mal carburé, puis au bout d'un moment quand même, c'est vrai qu'on se dit, allez, ça fait quoi, 2-3 jours que je suis à fond sur l'événement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, même Giants Unleashed, il y a un moment où je me dis, bon, il serait temps que ça se termine quand même, et je suis pas mécontent d'arriver jusqu'au bout. C'est pour ça que je le ferai pas à chaque fois, ça, le coup des 46 millions de points. Mais pour cette fois, je le sentais bien, donc évidemment, ça passe. Ah, non mais... Non mais vraiment. Ouais, tant pis. Moi, je prends pas de risque. Hein. C'est fini, hein. J'ai déjà pris beaucoup de risques de tout miser sur une seule flèche en particulier. Et j'ai été déçu beaucoup trop souvent pour me dire, allez, tant pis, je balance deux flèches, deux exemplaires d'une même flèche. J'ai une chance sur deux. Non, non. Souvent, une chance sur deux, ça se passe pas bien. Bon, en tout cas, on se souvient plus des moments où ça se passe pas bien, en tout cas. Ça a souvent été payant, cela dit. Mais, il y a quand même des moments où ça fait très mal. Plus que 800 000 points, si j'ai bien vu. Si ma mémoire est bonne. Plus de bonus. C'est vrai que les bonus, quand même, ça dépanne pas mal. En particulier les bonus sur les flèches. Waouh. Pire tirage possible. Et là, ce qui serait pire, c'est que le match d'après soit un match en robustesse. Et que j'ai à la place de la carte que je viens de jouer une flèche vers le bas. Ça va. Ah, c'est... On a failli, hein, quand même. Ça va, pas de catastrophe pour ce coup-ci. Mais là, pour le début, là, le tirage... Au secours. Horrible. Ah. Robustesse. Ah, mais... C'est frustrant. Non. Johnny. Terrible, hein. On a un 2 et un 3 et c'est le 2 qui sort, c'est... Ça aussi, ça m'est souvent arrivé. Mais après, bon... Je pense que globalement, ce genre de situation-là, c'est du 50-50. Sauf que... Voilà, encore une fois... Les moments de malchance restent plus ancrés dans notre mémoire, ça marque plus. Alors que ça marque moins de points. Allez, moins de 600 000. On pourrait peut-être finir avec une correspondance x4, comme on a fait la dernière fois, il me semble. Sauf que la dernière fois, on s'était arrêté à l'avant-dernière carte que je pouvais gagner. Qui est un objectif tout à fait raisonnable et presque trop facile parce que je crois que je l'atteins dès le premier jour. Ou le deuxième avec vous, je ne sais plus. Ok, du moment que le match d'après, c'est un match en puissance ou en vitesse, ça me va. Voilà, pour le x4, ça a l'air cuit quand même. Hein. Allez, on mise tout sur la puissance, tant pis. Là, la sécurité m'aurait demandé de ne jouer qu'une seule carte vitesse. Et... Oh! Un gros coup de chance. Ça aussi, ça arrive hein, quand même. Ça m'est pas non plus arrivé que 2-3 fois. Ça revient un tout petit peu plus souvent que ça, quand même. Des coups de chance inespérés. Et je crois que c'est pas assez. Ça avance très bien, mais c'est... Je crois que c'est... Ah, quoique... Ah, 11 000 points près, un peu moins. Non, mais c'était bien. Donc prochaine partie, c'est garanti, on finit AJ Styles. On aura quand même fini dans les dernières parties avec une correspondance x4. Donc ça aussi, les gros coups de chance comme ça, ça arrive et ça fait du bien. Là, pour le coup, quand même, ça rattrape un peu le reste. Même complètement, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça reste un jeu de cartes. La chance, évidemment, fait partie du jeu. Piocher les bonnes cartes, les mauvaises cartes. Après, c'est un peu comme du poker. Mais le poker, on a 5 cartes dans la main. Savoir quelle carte on va changer, quelle carte on va garder.
on pourrait être bon joueur et tout miser sur la vitesse, peut-être. Tout miser sur la vitesse ? Dès le début ? Bon, on peut se le permettre, hein. De toute façon, ce sera la dernière partie, quoi qu'il arrive. Allez, le beau jeu. Le beau jeu. J'aurais pu garder une autre flèche, peut-être, éventuellement. Ok, donc on a... Ah, là, c'est du 50-50. Mais j'ai dit la vitesse, donc je vais garder la vitesse, tant pis. Et c'est la robustesse. J'ai hésité à changer en cours de route. Et là, du coup, on n'a plus de robustesse, donc... Écoutez, moi, je vais envoyer Edge tout seul. Parce que ça suffit, tout simplement. Et oui, on n'optimise pas le nombre de points qu'on peut avoir dans cette manche-là, mais peu importe, l'objectif est quand même atteint. AJ Styles, de niveau Horde, rejoint ma collection. Plus de 46 millions de points pour en arriver là. Quel plaisir! Oui! Maintenant, on attend la prochaine pro Horde, que ce soit une autre pro d'Elia ou carrément la première pro de Chelsea Green, pour passer au niveau Horde pour de bon, piocher la freebie qui sera un autre AJ Styles, et on ouvrira plein de grandes récompenses aux défis, enfin plein, c'est-à-dire 3 ou 4, hein, n'est-ce pas? Ouais, parce que j'ai voilà, les défis quotidiens ces dernières semaines, bof quoi Kev, hein. Et on aura notre première carte, Behemoth, bien sûr. Voilà, j'annonce. Le grand oracle Kev Raker a annoncé. On n'a pas tout à fait fini de parler de cet événement Giants Unleashed, puisqu'il reste les récompenses pour avoir vaincu plein de géants et avoir affronté le dernier qui a pu s'échapper. Mais d'abord, on va faire un tout petit point sur les cartes extrêmes que j'ai récupérées depuis la dernière vidéo. Et en général, toutes les cartes spéciales que j'ai pu récupérer, parce que j'ai également pioché des cartes spéciales faites de fin d'année. Et oui, vous l'avez vu, peut-être, mon image de profil a changé. J'ai fait deux autres fusions en votre absence. On va aller voir les cartes récentes, tout simplement. Et aussi, j'ai pioché quelques cartes de Noël. Alors, quelques cartes des fêtes de fin d'année, plus généralement. L'onglet récent, tiens. C'est un truc que j'utilise assez peu, le filtre récent. Alors déjà, on va effectivement verrouiller AJ Styles. J'ai donc eu Dolph Ziggler pour ma deuxième fusion extrême. Et j'ai eu Becky Lynch pour la troisième, donc l'une des cartes de la première vague. Et bon, quand même... Quand j'ai vu Becky, évidemment, j'ai été très content. Évidemment. Ces cartes restent cool, hein, bien sûr, même si j'ai dit que je préférais les autres. Ce qui est bien avec toutes les cartes extrêmes en général, c'est qu'elles sont vraiment personnalisées. Même la carte en elle-même, pas seulement l'image, bien sûr, de la superstar ou le nom, mais vraiment, même l'arrière-plan et un logo spécial, c'est vraiment très cool d'avoir fait ça. J'ai eu un deuxième Brouillette, donc le Brouillette version boule de neige, est passé en pro lui aussi, donc yeah, une étoile dans le catalogue et un break et tout content. Bah tiens d'ailleurs, on peut s'amuser, hein. Y a pas une image où tu souris, toi? T'as pas une petite image de Bray version Firefly Funhouse? Oui, bah justement. Ah, ça c'est parfait. Hey, ça c'est parfait. Meilleure image que l'image d'origine. Merry Christmas everybody. J'imagine tellement Bray faire ça. Merry Christmas, Fireflies! Ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai pioché Nikki Cross, primaire. Bon, je l'avais déjà, c'est dommage. Mais du coup, vu que j'ai gardé celle de l'année dernière, je peux la faire passer en pro si je le souhaite. Je vais probablement le faire d'ailleurs. J'ai également une carte avant-garde, et je ne sais même plus si je vous l'avais montré. Une carte avant-garde de Goldberg. J'ai bien failli négliger ces packs de récompenses pour avoir affronté et vaincu des géants, mais quand j'ai regardé effectivement les récompenses possibles dans ces packs, j'ai bien vu que ça pouvait être assez intéressant, parce que je peux quand même avoir des cartes de niveau biomécanique, mon niveau donc. Et des packs, il y en a pas mal. Des géants, on a affronté une dizaine, il me semble, au cours de l'événement. Il y a un géant auquel je n'ai pas infligé le moindre dégât, parce que ça devait être un géant qui a été vaincu pendant que je dormais, donc il a dû arriver et être vaincu pendant que je dormais. Donc, je n'ai pas eu la récompense pour ce géant-là, parce que j'ai vu que le pack n'était pas en surbrillance, mais pour tous les autres, effectivement, j'ai participé, notamment pour Seth Rollins et un autre vers la fin.
où j'ai dépassé les 9 millions de dégâts, il me semble que l'autre à 9 millions c'était Bray Wyatt. Mais voyez que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 récompenses, donc 11 packs à ouvrir. La plupart sont vraiment pas mal. Donc évidemment, le niveau maximum à chaque fois, c'est biomécanique. On peut même obtenir, donc c'est basé sur mon niveau, vu que je suis biomécanique +++. Donc je peux obtenir même dans ces packs des cartes spéciales faites de fin d'année, donc des cartes bonhomme de neige. Et le niveau minimum, ça varie. La plupart du temps, c'est, je crois que c'est WrestleMania 36, le niveau minimum. Mais pour d'autres, c'est carrément le niveau cauchemar, donc ça descend quand même assez bas. Mais ça concerne assez peu de packs. Et dans pas mal de ces packs, il y a un dos de cartes spéciales, Giants Unleashed, qui avant le changement, en tout cas les changements apportés à l'événement, étaient quasiment impossibles à récupérer parce qu'il fallait finir, je crois, dans le top 3 d'un classement. Donc c'était assez compliqué. Donc c'est parti, 11 packs de récompenses à ouvrir. Voilà, donc ça c'est Bray Wyatt, c'est même le deuxième... Ah, c'est peut-être pas dans l'ordre. Parce que le premier géant, je lui ai pas fait tant de dégâts que ça de mémoire. Ok, Kyle O'Reilly. SummerSlam 20, je vais le garder quand même. Le dos de carte, Giants Unleashed, je l'ai enfin. Et R-Truth élémentaire, que je vais quand même garder. Après, on espère évidemment des cartes bien meilleures que ça, mais c'est que le premier, tout va bien. Élémentaire, Finn Balor et Jeff Hardy. Donc double élémentaire. J'ai un peu peur là pour le coup. Quoique élémentaire, c'est pas le niveau minimum. Ouh, deux biomécaniques. Samoa Joe. Non, je l'avais pas déjà, Samoa Joe. Non, je confonds avec un autre niveau, je pense. Et Fandango. Deux biomécaniques. Alors là, c'est quand même... C'est le jackpot. C'est le jackpot. Waouh, dans le même pack, avoir deux fois le niveau maximum possible du pack, c'est quand même pas mal. Braun Strowman, WrestleMania 36, voilà, le niveau minimum. Jordan Devlin, élémentaire. Alors, les élémentaires, pour l'instant, je les verrouille encore, mais encore une fois, pas sûr que je les garde très longtemps. Randy Orton, WrestleMania 36. Goldberg, élémentaire. C'est une future fortification pour Bill Goldberg. Attendez, parce que ça, ce sont les packs les plus intéressants. Est-ce que les packs les moins intéressants se retrouvent en bas par hasard? Ça, c'est un pack bleu. Avant-garde à biomécanique. Je crois que c'est un pack assez intéressant. Non, c'est un des moins intéressants. J'ai dit que le niveau minimum pour les meilleurs, c'était WrestleMania 36. Donc, Kofi Kingston, avant-garde. Eric, élémentaire, je crois que c'est une future pro. Donc les packs les moins bons se retrouvent en bas, j'aurais dû commencer par ceux-là. Voilà, celui-là c'est cauchemar, donc c'est le moins bon, pack marron. Donc bronze, argent, or j'imagine, pour les packs. Donc deux cartes cauchemar, alors par contre c'est l'horreur. Alexander Wolfe et Bobby Fish. Autre pack marron, deux cartes cauchemar, Wesley Blake. The Miz, oui quand même, on n'allait pas finir sur des bons packs. Aïe aïe aïe. Velveteen Dream primaire. Velveteen Dream avant-garde. Il reste que deux packs, et ce sont deux bons packs, voilà. On a eu un petit interlude avec des packs pas terribles. Et nous avons un seul Chad Gable élémentaire, oui c'est le dernier géant qui a été qu'on a affronté et qui a pu s'échapper. Et donc ces packs-là, on peut voir peut-être, niveau minimum, c'est effectivement WrestleMania 36. Allez, deux cartes, donc deux superstars dans ce pack pour avoir vaincu The Big Show. Et nous avons une autre biomécanique. Trois biomécaniques en 11 packs et donc en 21 cartes, pouvant grimper jusqu'au niveau biomécanique. C'est pas mal. Kofi Kingston, WrestleMania 36. Était l'ouverture de ce pack, mais nous avons également Robert Roode. Troisième carte biomécanique obtenue dans ces packs pour avoir affronté et vaincu des géants. Donc je retire ce que j'ai dit.
Les récompenses les plus importantes sont à la fois les récompenses d'étape et les récompenses pour avoir affronté des géants. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à continuer à jouer un tout petit peu après avoir obtenu AJ Styles Horde. Donc j'ai dépassé les 50 millions de points, donc j'ai pas beaucoup joué, hein, évidemment, mais je voulais évidemment ma part du butin, donc j'ai participé à la bagarre contre les autres géants, les tout derniers géants. Une récompense de 4 cartes biomécaniques pour avoir joué à l'événement Giants Unleashed, en comptant bien sûr Ultimate Warrior, la récompense d'étape. C'est un très très bon événement, donc même si je n'avais pas eu AJ Horde, j'aurais quand même trouvé mon bonheur. Et là, je l'ai eu, mon bonheur. Je l'ai eu. Petite note avant de finir. J'ai une quatrième carte extrême. En tout cas, j'ai fini ma quatrième fusion extrême depuis le retour des cartes extrêmes dans Supercard dans cette saison 7. Et j'ai obtenu une deuxième Becky Lynch avant-garde. Donc effectivement, le catalogue, on va le remplir. J'ai même oublié à quoi ressemblaient les pros. Voyons, j'en ai déjà une. Si je me pose la question, je n'ai qu'à aller la voir. Ça va être beau. C'était donc l'événement Giants Unleashed pour Drew McIntyre. Évidemment, je n'avais pas le niveau nécessaire pour récupérer l'une des cartes d'événement Behemoth, mais j'ai récupéré plein d'autres cartes qui m'ont parfaitement comblé, des cartes biomécaniques, une carte Horde, celle d'AJ Styles. Donc mission accomplie, et de très loin. Donc un événement très généreux en termes de récompenses. J'espère bien sûr que tout le monde, à peu près, a pu trouver des cartes intéressantes dans les packs spéciaux pour avoir affronté et vaincu les géants. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez ceci. Et bien sûr, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, amusez-vous bien, mangez bien, ça aussi c'est très important, que vous soyez tout seul ou en famille, et si vous êtes avec plusieurs personnes, bien sûr, restez quand même prudent par rapport à vous savez quoi, mais profitez quand même. Allez, des bisous, à la prochaine, sur Supercard, sur d'autres jeux, que ce soit demain, après-demain, normalement je fais pas de pause particulièrement pendant les fêtes, donc les vidéos et les streams vont toujours être présents. Voilà, je suis toujours là, toujours fidèle au poste, avec plein de contenus différents quand même, plein de jeux si ça vous intéresse bien sûr, mais également toujours du catch, hein, bien sûr, je sais que ça vous plaît énormément. Allez, des bisous, à la prochaine tout le monde.